oui, une formule un peu complexifiée. Lui, il fait ça. Moi, je fais ça. Pardon. Je rajoute une touche de plus. C'est-à-dire que la main gauche, elle fait toujours ça. Échauffement. Alors que lui... Et donc je bascule. En jouant, normalement je suis droitier. Hein. Donc là, voilà, je m'échauffe de l'autre côté. Donc ça me fait un exercice 3 en 1 en fait. Hein. Un tout petit peu de coordination, histoire d'échauffer le cerveau avec. Et le travail d'équilibrage du son entre la gauche, la main faible et la main forte. Ok, maintenant le travail peut commencer. Donc c'est de... du travail de remémoration des grooves, donc en essayant d'être au plus proche des bases que j'ai choisies. Là, c'est une adaptation de Makuta sur 3. Cette base-là, ce que je retrouve de quelque chose de l'exercice précédent pour la main gauche. Thank you.
évoquer la suite. Hein. Timba. Ouh, non, tiens, 6-8, tiens. Ouais, ouais, 6-8, ouais, ouais, ouais. Alors. À la vôtre, hein?
Ok. Après, on tente des trucs, hein. Des fois ça passe, des fois ça passe pas, hein. Les entraînements, c'est fait pour ça. Pour se planter. Ça vient? Thank you.
8. Mais non, c'est trop tard. Il m'en reste un, c'est lequel, bordel? Oh putain. C'est ça. Alors, on va changer de registre. Hein. Préparation à variétoche. La variétoche. Thank you.
ça que je veux. Voilà.
Et voilà. Bougez pas, je reviens. Quinto, maintenant, en essayant d'aller plus vite donc que la dernière fois, car il y a un travail de progression dans la vitesse. Voilà, un petit fond de guaguco. Ah, mais ça fait chier, ça. Voilà, la base, toujours un peu de quinto, un bon peu de jimina, ce genre de truc. Exploration infinie, David. Mettre un petit like si tu aimes, hein, ça me soutiendra.
si elles sont inspirantes, elles méritent un like. Thank you.
Thank you.